Pokémon Go est arrivé en France. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Il était temps, après tout le reste du monde. Alors je vous le dis tout de suite, désolé si la lumière change, mais j'ai décidé de filmer en lumière naturelle. Donc le soleil s'en va, s'en vient. Alors oui, hein, bien sûr, il y avait déjà beaucoup de personnes qui avaient téléchargé Pokémon Go. On dira pas comment. Ça ne fait que quelques semaines que le jeu est disponible un peu partout dans le monde, et il y a déjà eu beaucoup de scandales. Scandale, 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 c'est scandalous. Des accidents, des découvertes étranges, il y a même eu un mort. Aïe. Et maintenant, voici 10 conneries et gaffes à faire, ou pas, en jouant à Pokémon Go. Let's go, go, go. Confondre son téléphone avec une Pokéboule. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? C'est pas vrai, il y a Pikachu. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Il me reste que 3 Pokéballs. Faut que je me concentre. Allez. Oh non. Bon, 2 Pokéballs, ça va, je peux le faire. Vas-y. Non. Allez, t'es ma dernière petite chance. S'il te plaît, petite Pokéball. Attrape-le. Non. Attrape-le. J'avais plus rien à perdre de toute façon. Être prête à tout pour un Pokémon. Oh, je sais qu'il est quelque part par là. Il est où? Il est où? Il est... Oh, il est là-bas. Allez, j'y vais doucement, doucement. Oh-oh. Oups, pardon. Demander un Pokéstop chez soi. Oh, yes! Ils ont accepté ma demande de Pokéstop. J'ai un Pokéstop chez moi, j'ai un Pokéstop chez moi, j'ai un Pokéstop. C'est qui tous ces gens-là? Il y a plein de monde devant chez moi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Pokéball à vendre, limonade, gâteau, chips, coca, bière, vous pouvez tout trouver ici. Allez-y, restaurez-vous. Pokéstop chez Max, la qualité avant tout pour les meilleurs chasseurs. La maison accepte les espèces, les chèques, les cartes de crédit et aussi les Pikachu. Chasser en voiture. Allez hop. Ah, feu rouge, c'est bon. Alors, est-ce qu'il y en a par ici? Oui, oui, bah c'est bon, je démarre, oh, feu vert, ils sont pressés. Moi je chasse, monsieur, je chasse. Oh, il y en a un là-bas, il y en a un là-bas. C'est pas moi, c'est l'autre devant, il s'est arrêté. J'expliquerai en assurance que j'étais en train de chasser un Pokémon ultra méga giga rare. Je suis sûr qu'ils comprendront. Prendre son chat pour un Pokémon. Alors, y'a quoi par ici? Ah, mais c'est un Pokémon super rare, ça. Je le connais même pas. Qu'est-ce que c'est? Je vais l'attraper. Minou. Oh, j'ai plus de Pokéball. Ah. Ah, viens, Minou. Rentre dans la Pokéball. Je l'ai eu. Et voilà, mon premier Miaouss. Il est beau. Ah, mon Miaouss. Il a pas l'air content. Allez, rentre dans la Pokéball. Rentre, rentre. Au revoir, Miaouss. Tout faire pour un Pokémon Do. Alors, donc, je suis près de la rivière, donc normalement, théoriquement, il devrait... Oh, il est là, Aquali, mon premier Pokémon Do. Faut que je me rapproche, faut que je me rapproche, faut que je me rapproche. Ah, mon téléphone. Ah bah, il marche beaucoup moins bien maintenant. Lancer une fausse alerte. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Alors, Pokémon ultra rare, aperçu au parc du Boulidou, maintenant. Regarde-les tous la courir. Alors, il y a un Pokémon ultra rare? Il y en a pas. Il y en a? Non. Utiliser un GPS. Trop facile avec le GPS. Allez hop, en voilà un. L'autre il est ici. Hop là. Bah l'autre par là. Hop là. Facile. Oh, un volant. Trop fastoche. Beaucoup moins marrant en fait. Je les ai presque tous. Ouais. C'est cool, c'est cool. Jouer trop longtemps. Waouh. Ah bah j'ai bien joué. Je suis où là? Qu'est-ce que je fais là? Comment je rentre chez moi? GPS? Plus de batterie? Oh non, je suis coincé ici. Pikachu, viens m'aider. Chasser au cinéma. Je dois voir s'il y a des Pokémon dans cette salle. Deux secondes. Oui, bah deux secondes. Oh, ça va. Ah bah non, il y en a pas. Fausse alerte. Bon film. Peut-être derrière moi. Muez-vous. Vous jouez à Pokémon Go? Et quel est votre Pokémon préféré? Dites-moi ça dans les commentaires. Et comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de cliquer sur le joli pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo. C'est gratuit. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.
Abonne-toi. Vous êtes encore là? Merci beaucoup, ça fait super plaisir, vous êtes les meilleurs. Alors si vous voulez encore plus de fun sur le thème de Pokémon, eh bien je vous laisse cliquer sur cette vidéo-ci, ou bien dans le petit i, ou là, je sais plus, c'est la vidéo « Et si Pikachu parlait ?» Voici 10 phrases que Pikachu aurait pu prononcer s'il pouvait parler. Alors si vous vous êtes toujours demandé ce que Pikachu pouvait penser, eh bien, cliquez. Bonne chasse à tous, et que le meilleur gagne. Prenez soin de vous, à bientôt, je vous adore. Ça fait à peine quelques semaines que le jeu est disponible un peu partout dans le monde. Il y a déjà... Ça ne fait que quelques semaines que le jeu est disponible un peu partout dans le monde. Il y a déjà... Aïe. Voici 10 conneries. J'ai même ressorti ma casquette de chasseur. C'est la casquette que j'avais quand j'étais tout petit, quand j'avais 7 ans. Regardez. Je porte bien la casquette. Mais il y avait un dragon. C'était les ancêtres des Pokémon. Bon. Et dans cette vidéo, le rôle de la Pokéball a été interprété par la balle de tennis. On l'applaudit. Bravo. Très beau rôle. Très beau. On dirait un peu que je suis en prison là, avec le truc orange et les barreaux derrière. C'est bon. La question du jour est, saurez-vous retrouver l'ourson polaire sauvage qui se cache dans la vidéo? S'il vous plaît, aidez-moi à le rattraper, il est super rare. Merci.